Bonjour à tous, nous sommes au terrain avec les loulous. Je suis au terrain avec les loulous. Des nouvelles du petit Canelo qui me fait tourner bourrique. Mais il en joue. Ça l'amuse énormément de jouer avec le caractère et la ténacité des gens. Voilà, mais c'est une forme d'amusement là. Ça tourne un petit peu à un moment c'était un peu l'affrontement. Il m'a cherché vraiment, ben, il m'a trouvé. Et là, il en joue maintenant. Alors moi, je fais pareil. Hein. J'en joue. J'en joue. Tu donnes? Donne? Allez, donne, je le jette. Donne, petit père. Fais assis. Bien! Va chercher. Voilà, c'est bien dit tout. Viens, apporte. Apporte. Viens donner. Tu donnes? Donne? Donne, je relance. Donne? Ouais. Assis. 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 On s'assoit. Assis. Oh, petit père. Voilà, c'est bien, va le chercher. Il est jeune dans sa tête, le pépère, et il va bien. Tu le donnes? Allez, donne. Ouais. Tu donnes? Donne. Tu ne veux pas le donner, hein? Si, voilà. Attends, 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 donne-le-moi. Oh, bah si je laisse tomber. Donne, voilà. Assis, bien. Va le chercher. Il va le chercher, pépère. Attends, 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 assis. Et pour un papy, il a la forme. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu donnes, Carson? Voilà. Halte. Donne. Allez. Non, papy, là, papy Canelo, tu n'arriveras pas à le rattraper. Hein. Viens, viens, je vais le lancer aussi. Viens. Voilà. Donne. 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 Canelo, tu donnes. Qu'il y a personne qui est derrière, c'est pour ça. Donne, assis. Ouais, il ne le prendra pas. Il ne le prendra pas. Assis. Fâché. Eh bien, pépère. Voilà, c'est bien. Tu donnes encore? Voilà. Donne. Ouais. Assis. Assis. Canelo. Assis. Je le jette si tu t'assois. Voilà, on en est au compromis maintenant. Assis. Bien. Très bien. Allez. Et papa, apporte. Voilà. Voilà. Halte. Halte. Voilà. Voilà. Allez. Canelo, t'arriveras pas. Hein. Allez. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donne. Donne. Canelo. Donne. Bien. Assis. Bien. Voilà. On fait le maximum dans le jeu. Mais quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, je ne cède pas et je me sers de son jeu ou de ce qu'il veut en ne lui donnant pas. Un exemple tout simple. Quand je le promène, donc il a tendance à aboyer. Alors je me sers de ça. Il veut y aller. Et c'est pour ça que quand il est bloqué avec la longe, il m'aboie dessus l'air de dire... Ben, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Bon. Alors moi, je mets le pied sur la longe et je lui demande un silence. Et quand j'obtiens le silence, eh ben, je le lâche. Voilà. Et je fais pareil avec le jeu. Ce matin, je l'ai mis à faire ses besoins dehors. Monsieur n'a pas voulu. Il pensait qu'une chose, je rentre pour manger. Et moi, je lui ai dit non. Il était sorti avec son jeu. Il s'occupait même plus de son jeu. Il avait décidé, je rentre. Et comme il n'avait pas ses besoins, ben, il ne les avait pas fait. J'ai dit non, 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 non. Ça a duré 2 heures. Je l'ai mis dans le jardin, je l'ai laissé dans le jardin, j'ai fermé la baie vitrée, tous les 10 minutes j'y allais, j'ai dit tu fais tes besoins et tu me trouves ton jouet. Rien à faire. Et ben, au bout de 2 heures, toujours rien et monsieur ne cédait pas. Et ben, puisque c'est comme ça, attends. Alors j'ai été chercher Carson. Carson a été chercher son jouet, il l'a pris. Alors par contre, quand il a vu que Carson avait son jouet, il n'était pas d'accord du tout. Donc je me suis fâchée avec lui, je dis t'en veux pas, tu ne l'auras pas. Et tu vas me faire tes besoins. Alors là, il a immédiatement été l'affaire. Il a été faire ses besoins, alors je lui ai dit c'était bien. Par contre, il n'a pas eu son jouet tout de suite. Je lui ai dit tu rentres. Et voilà, on en est au compromis avec ce petit monsieur. On ne peut pas lui céder, donc plus il aime quelque chose et plus on va l'utiliser pour arriver à nos fins. Parce qu'il a du caractère. Hop. Mais il évolue bien. Alors il a un appétit d'ogre, hein, là-dessus. Alors là, et il a la forme comme vous pouvez le voir. C'est moi qui l'ai. Ouais, assis, bien, Titou.
Ah bah ouais, t'es soufflé, hein. Oh, pépère. Non, pas sauter. Assis. Assis. Canelo. Assis. Assis. Non, 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 non. Tu t'assois, tu l'as. Canelo. Tiens, il va se faire mine de s'occuper autre chose pour pas faire ce que je lui demande. Je vais le bloquer avec la laisse. Assis. C'est bien, voilà. Allez, Titou. Ne rien céder. Parce qu'autrement, il aurait gagné. Mais il faut le faire dans le jeu. Quand on se fâche, parce qu'on tombe fâché, on en arrive à se fâcher vraiment avec l'autorité. On ne peut, hélas, si on est parti dans la confrontation, ce qui a été le cas la semaine dernière avec le petit pépère, pour plusieurs raisons. Il se butait pour un oui ou pour un non. Il avait décidé d'être le chef. Donc ça, c'est pas fait. C'est normal ce qui se passe. Alors, beaucoup se sont posé la question pourquoi, au bout d'un mois, ça y est, c'est maintenant que c'est arrivé. Il faut savoir que le loup, vu son vécu, il a été confronté à la solitude, peut-être, mais aussi, il a été obligé de se battre pour vivre. Et je dirais même pour survivre. Donc, il a un fort caractère. C'est pour ça qu'il est encore vivant de ce jour, d'ailleurs. Donc, c'est pas facile pour lui d'arriver dans une maison familiale où il ne connaissait pas, hein, il connaissait pas la maison, il ne connaissait pas, voilà. Il a peut-être jamais eu autant d'attention. Donc, pour lui, c'est nouveau et ça le renforce. Alors, il en demande encore plus. Et les règles de la maison, ben, il n'en veut pas, il n'en a jamais eu. Alors, pourquoi il plierait? Donc, voilà, il a ce caractère à être un petit peu un chef. Pour lui, c'est difficile parce qu'on lui demande de, ben, ouais, d'avoir la forme, d'être sympa. Mais voilà, il faut qu'il accepte les règles de la maison. Et qu'il accepte qu'il est en troisième position. C'est-à-dire que quand ils vont faire leur besoin dehors, mes deux chiens rendent, sauf si un des miens fait la bêtise, alors il est rétrogradé et il passe derrière Canelo. C'est arrivé. Hein, voilà, il y a des règles à la maison et voilà. Donc Canelo a eu une petite crise la semaine dernière, une grosse même, parce que même la nuit a été difficile parce qu'il me cherchait vraiment. Et on a été obligé d'être très 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 tenace. Tous les 2 heures, on était debout. Et ne pas céder. Et là, ça y est. Ça va mieux. Le cap est passé. Un pépère. Allez, dis tout. Carson, tu veux le jouer? Allez, amène. Non, tu veux que de le chercher. Où elle est, la fouine? Ven. Eh ben alors. Allez, Nini. Allez, joue avec Carson un peu. Allez, allez, on joue. Eh ben la fouine. Eh ben la fouine. Allez, allez, Nini. Allez, on joue. Allez, on joue. Allez, on joue, Nini. Ouais, allez, on joue. Nini va mieux. À partir du moment où les chiens sont, ce que je dis moi, structurés, et ça commence à venir au niveau de Canelo, vous voyez d'ailleurs, je m'en occupe plus, il a toujours la longe par sécurité, mais voilà, il est en libre. À partir du moment où les chiens sont structurés, la meute entière va sentir mieux psychologiquement. C'est un esprit plus zen. Que ce n'était pas du tout la semaine dernière, donc Véni ne mangeait plus encore, il y a eu quelques... Voilà, le stress engendre beaucoup de problèmes chez les chiens, et quand on a une pension familiale, il faut veiller au bien-être de chaque chien. Et c'est très difficile quand on a un récalcitrant, hein, qui ne veut pas se rentrer dans les ordres, comme on pourrait dire. Donc voilà, il faut remettre à plat tout le monde, que chacun ait sa place, se fâcher avec celui qui pose problème. Et quand c'est... Alors, quand tout rentre zen, que chacun retrouve sa place, ben ça y est. L'esprit de meute, à nouveau, c'est ça. Donc, Véni va bien, elle mange, elle a la pêche, donc ça fait plaisir. De toute façon, mes chiens sont aussi le baromètre de la pension. Quand je vois qu'il est au niveau de l'appétit, ou alors à l'attitude, bon, les sorties, c'est différent, ils sont plus calmes, je dirais même ternes. Alors là, il faut que je trouve le tout de suite, assez rapidement, donne, que je trouve assez rapidement la cause de cela. Et 3/4 du temps, hein, c'est voilà. Assis, Carson. Assis. Carson, dépoule-moi. Assis. Eh bé. Ouais. Allez, va chercher. Ah, c'est bien. Eh bé. Bébé. Voilà. Tu donnes Canelo? Viens Canelo. Canelo. Oui. Donne. Petit machin. Parce que là, je marche sur la longe. Viens. Tu donnes. Non, 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 non. Tu sais, je vais marcher sur la longe. Voilà. Tu donnes. Voilà. Donne. Donne. Tu fais un assis? Bien. C'est super, Titi. C'est bien.
tu prends. Ouais. Très bien, tu peux aller. Allez. Voilà. Ven! Où est-ce qu'elle est, la fouine, encore? Allez, venez! Elle va se coucher par là. Allez, papa. Allez, Ven! Eh ben alors! Eh ben, la fouine! Allez, on joue! Canelo, tu es en train de me saucissonner, là. Dis. Carson, tu me donnes ton jouet, tu vas jouer avec Veven parce que tu ne joues pas autant. Viens, viens. Ouais, elle veut jouer, Nini. Ouais. Carson, tu viens me donner ta balle. Apporte. Apporte. On laisse que le jeu de Canelo. Carson, viens me donner ta balle. Voilà. Halte. Halte. Bien, c'est bien. Tu donnes. Ouais. Tu joues un peu avec Nini. Allez, tu joues avec Nini. Va jouer avec Ven. Allez, avec Veni. Joue. Allez, Ven. Ouais. Allez, on joue. Allez, on joue. Ça peut paraître violent comme jeu, mais voilà. Vénie qui fait. Vous voyez qu'elle a la pleine forme. Ça, ça fait plaisir. Allez, Carson, on joue. Vénie veut jouer. Voilà. Quand Vénie veut jouer, elle s'exprime. Hein. C'est Canelo qui comprend pas trop ce qui se passe. Ils sont violents, hein, Canelo. Tu pourras pas aboyer Canelo avec ton jouet dans la gueule. Hein. Allez, Vévan! Allez, Nini, la fouine! Voilà, allez! Ça y est, c'est tout! Oh, ben dis donc! Allez, Canelo! Canelo! Je vais marcher sur la longe. Canelo! Allez, apporte le jouet! Apporte ton jouet! Où est le jouet? Où est le jouet? Cherche! Où est le jouet? Qu'est-ce que tu cherches là? Je sais pas, il a pisté quelque chose. Hop, je ramasse son jouet. Non, 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 Carson. Non, 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 c'est pas ton jouet. Parce que là, il va monter dans les tours, lui, hein, si tu lui prends son jouet. C'est moi qui l'a le jouet. Sit. Ouais, super Titou. Super Titou. Allez, chier. Tu ne prends pas comme ça. Tu veux ton jouet? Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Chacun de l'heure. Mais il n'a pas pris le sien. Ah bah alors Nini, tu fais le couloir. Allez viens, viens voir Nini, viens. Ven, Ven. Tête de mule. Oh moi je veux bien mais, ouais, je le sentais pas ça. Madame là-bas en soir, elle aime pas parce que ça bouge. Allez viens, viens, on va faire autre chose, viens. Allez viens, Nini, allez, 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 dessus. Allez vas-y, monte, allez. Allez Nini, dessus, Ven, dessus. Allez, oui, voilà, allez. On monte. C'est pas très pressé, hein. Hein. Voilà, comme ça, elle a une bonne vision de tout. Allez, descend. Voilà, bien. Dessus, Ven, Ven. Allez, allez. Viens là. Veni, viens là. Allez, dessus. Voilà, c'est bien. Alors cet obstacle, en fait, comme vous le voyez, il a des chaînes. Alors je peux les enlever. Et quand j'enlève les chaînes, j'ai une simple passerelle. Hein, un pont, tu vois, plutôt. Et autrement, quand il y a les chaînes, donc ça bouge. Ça, ça me sert pour les chiots. Et des chiens qui sont pas assez sûrs d'eux. Quand ils savent le passer, on a d'autres chiens. Ils sont tout joyeux et ça leur fait du bien. Ça les aide à se grandir. Hein Canelo? Petit Canelo, ta Canelo. Ah, viens, viens, viens Pépère. Viens Pépère. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'en jouer? Hop. Ça arrivera pas.
Non, 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 c'est pas par là qu'on voit. Ah non, non, tu l'as fait l'autre jour. Viens voir, viens voir, viens voir. Je vais essayer de monter. Allez, viens. Allez, ouais. Hey, Canelo. Ouais, super Canelo. Ouais, voilà. Super Canelo. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est bien. C'est bien, pépé. Assis, assis. Assis, Canelo. Bien. Et on récompense en donnant. Voilà, super. Alors, papa. Allez, Carson. Voilà, c'était les nouvelles de la troupe. J'ai un autre loulou qui devrait arriver cette semaine. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà. Ouais, hein, c'est bien. C'est bien. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt.